Rock and Pop Stories. Beastie Boys, You Gotta Fight for Your Right to Party, 1986. Les Beastie Boys, c'est du rap, allez-vous me dire, assez justement. Certes, mais leurs débuts se font sous la direction de Rick Rubin, producteur de génie, le premier à avoir réuni rap et rock en mélangeant les rappeurs de Run-DMC avec les rockers d'Aerosmith pour l'énorme Walk This Way. You Gotta Fight for Your Right to Party, premier gros succès des Beastie Boys, lui doit beaucoup. Les trois Beastie Boys ne viennent pas de la rue. L'un d'eux, Adam, est né sur Park Avenue, une des artères les plus chicoses de New York. Il est le fils du grand dramaturge américain Israel Horovitz. Avec ses amis Michael Diamond, dit Mike D, et Adam Yoke, dit MCA, ils se font les dents sur le punk hardcore avant de passer au hip-hop et au rap. C'est dans cette phase de transition que Rick Rubin croise leur route. Avec son pote Russell Simmons, il vient de former son propre label Def Jam, orienté sur le hip-hop. Mais Rubin, bien que débutant, aime toutes les musiques. Le son furieux des Beastie Boys le séduit. Le trio écrit « You Gotta Fight for Your Right to Party ». Pour eux, c'est une parodie de certaines chansons rock un peu premier degré. Ils en enregistrent les vocaux et partent en tournée, en première partie de Madonna. Pendant ce temps, au studio Chungking de New York, Rick Rubin, tel un sorcier qu'il est, transforme ce qu'ils ont fait en y ajoutant une batterie lourde et puissante et une guitare rock très hard. Il fait tellement évoluer la chanson qu'il en devient co-signataire avec les trois Beastie Boys. Cette chanson, démarrée un peu comme une blague, va devenir leur étendard et les propulser tout en haut de l'affiche. Elle sort en décembre 86, accompagnée d'un clip très sulfureux. Pour le tourner, Rubin fait appel à deux fous de cinéma, Rick Minello et Adam Dubin, rencontrés à NYU, une des universités de New York, eux aussi débutants, et pour 20 000 $, dans l'appartement de Sunny Back, copine des Beastie, ils tournent une fête totalement déjantée qui va faire beaucoup pour la réputation sulfureuse du trio. Une image de laquelle ils auront beaucoup de mal à se débarrasser. MTV adore le clip, qu'il diffuse à haute dose. Résultat, Fight for Your Right atteint la 7e place du Hit US le 7 mars 87, le jour même où Listen to Ill, le premier album des Beastie Boys, est numéro 1 dans le pays, devenant ainsi le premier album rap à obtenir la première place. En revanche, ces trois blancs-becs ne sont guère appréciés dans le monde du rap. Il faut que l'associé de Rick Rubin, Russell Simmons, prenne leur défense auprès de la communauté black. Tout cela n'empêchera pas le trio de faire une splendide carrière, même après avoir quitté le label Def Jam, mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.